tous et à toutes. Alors, je vais faire un podcast sur. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un let's play sur Minecraft. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là? Je sais pas si vous pouvez le voir, mais là je suis en train de détruire le mur d'une maison. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Toujours des vidéos sur Minecraft ou Call of, et finalement tu te dis qu'il n'y a plus rien à regarder sur internet. Alors yo, ça vous dit de faire un tour dans les égouts? Non. On commence cette vidéo par une fille qui a fait tomber son portable dans les égouts. Il n'y a pas plus simple. Ah voilà mon portable, putain de vrai, voilà il marche bien, c'est bon, allez vite, basta. C'est où la sortie déjà? Attendez, vite! Après cet épisode douloureux, elle retrouva son portable très tard et peu après regarda son Instagram. Mais. What the fuck, mec? C'est qui a posté ça? What the fuck? Je pars. Mais moi, je passe pas le temps, moi! De la quoi? Un petit clip, mais c'est quoi un clip? Mais là il est haché, voilà putain. Alors content de mettre 600 euros dans un iPhone de merde qui ne dure que 4 ans, putain. Je suis né le 66 février 1666 grâce à une copulation avec un téléphone et un paquet de chips, hein. Ma première fois. Donc déjà, je tiens à vous informer, si jamais vous êtes des personnes en gros manque qui croient que cette vidéo est une vidéo olé olé, et ce n'est pas du tout cela, donc je vous invite à quitter cette vidéo. Voilà. Et donc, nous nous rendons en Floride où un mec a égorgé son coloc, et pour cacher le cadavre qui ressemble à ça, ne me remerciez pas, l'a demandé à Siri. Comme tout le monde. Comme tous ceux qui ont un cerveau. Après Apple Maps. Hein, est-ce que je suis vraiment arrivé à Paris là? Ouais. Putain, mais après faut vraiment des trucs bidons. Putain, c'est qui me suit maintenant? Les scientifiques ont fait la découverte d'un ovni qui va bouleverser le monde à jamais. D'après une recherche avec des scientifiques des moins fiables du monde, ceci est un ovni encore inconnu du grand public, le iPhone. Le iPhone a un design assez chelou mais qui bizarrement est adoré par tous les cons et naïfs qui croient que Apple sont des couilles en or et parfumées. Mais en réalité, c'est un gros tueur en série recherché par le HGLI. Merde, comment on dit, le FBI n'est pas censé rechercher ça? Enfin bref, rendons Siri bourré. Voilà. Maintenant, va prendre un lapin pour qu'il fasse du saut en longueur sur la route avec des lapinants. Manque de sexe et avec des problèmes d'hormones. Attends, j'ai une idée pour qu'on cambriole ce foutu magasin de merde en rentrant par la porte d'entrée de merde. Et en plus, c'est Siri qui me l'a dit. Alors, Siri, il a dit qu'on va acheter un billet chez Air France pour que la porte rentre chez son papa et sa maman en Espagne et qu'après, on pourra rentrer et qu'après... L'iPhone est fait de 99% de coke et d'alcool. Alors, si vous le retrouvez, appelez au 066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 
Bordel! Qu'est-ce que tu peux faire avec 50 chats dans un congélateur? Hein? Mais réponds-moi, bordel! Hey, vous avez un stérilet, non? Non, dans mon vagin, il y a des chats et des chattes très douces. Ah. Après le trafic de vidéos pédopornographiques, voici un nouveau type de trafic non connu des policiers, les trafics de phénomènes internet. En voici un qui combine les deux. Alors, je fais 1 centime par mail et 666 euros par vidéo pédopornographique. Les mêmes est un trafic très bon marché qui rapporte beaucoup par rapport aux vidéos pédopornographiques. Et en plus, le marché des mêmes est légal par rapport à la coque ou aux vidéos pédophiles. Donc voilà, 2 millions d'euros mis en jeu ce soir au loto. Et voici les lieux que vous ne verrez jamais de votre vie de merde, puisqu'il est impossible de gagner 2 millions d'euros au loto comme ça. Ah, et tu te croyais où? Ah, la foi. Alors, voici London, voici Madrid, voici Los Angeles, voici l'iPhone 6 Plus 128 gigas. Ah. Alors, déjà vu le nom de la ville, on sait que... ici, il y aurait 500 pédopires. Là, il y aurait 100 meurtres. Et là, il y aurait 200 vols. Et là, il y aurait 6666 bourrés. Et maintenant, voici le résultat. Attention les oreilles. Si les murs parlaient entre eux. Et là, tu vois, il est jacu de la peinture blanche. Oh putain, le fantasme que j'aimerais avoir. Et toi, c'est quoi ta position préférée? Eh, hey, mais tu croyais vraiment que moi j'allais donner ma position préférée ou quoi? Bon bah, si c'est comme ça, alors. En 2012. Alors comme ça, on prend une voiture qui, un, ne vous appartient pas. Et qui, deux, vous avez oublié votre carte d'identité dans la voiture. Comme un con. En 2013. Alors, comme ça ou non? Eh, je vous ai pas déjà vu il y a quelques mois. Et en 2014. Alors, je vais taper le texte. Putain, vous avez fini de faire le stupide qui a déjà l'Alzheimer? Vous avez 20 ans. Et vous avez déjà l'Alzheimer? Et en plus, votre nom c'est Alzheimer et votre prénom c'est Mec qui oublie tout? Alors, Monsieur Alzheimer, Mec qui oublie tout, comment pouvez-vous expliquer ça? Ah bah là, tu vois là, après le mec qui fait. Voici le nouvel iPhone 6. Le nouvel iPhone 6 est un grand moins lourd que le précédent iPhone. C'est une révolution. And now, you. Yo, bienvenue dans votre journal. Pas comme les autres, j'ai une question. Votre robe mesure combien de kilomètres? Puisqu'en tout cas, vous êtes loin de cette chinoise qui s'est mariée avec une robe de 4 putains de kilomètres. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de payer avec un billet de Monopoly? Car un mec l'a fait, enfin! Mais il est recherché par la police, dommage! Alors, combien coûte Call of Duty Black Ops 666? Merde, j'ai pas assez de Willy l'ourson en peluche! Putain! Dans une boîte de nuit? Bien, frère! Toi, donner biberon avec... lait! Mais, c'est toi ou... Ah, non mais putain! C'est le sixième bébé dont je dois m'en occuper cette nuit! Mais aussi, que voir un bébé dans une boîte de nuit? Et en plus, on me doit 6 milliards de francs CFA, putain! Allez, tu vas m'avouer tout de suite que tu as mis les photos de Kim Kardashian nue sur internet, gros pervers! Mais c'est pas moi, wesh! Bon, t'as gagné, je vais passer à la torture! Bim! Voilà! Maintenant, t'es en train de souffrir, hein! Comment fais-tu pour te masturber? Comme ça. Tu fais quoi chez toi lorsqu'il n'y a personne? Quel est ton sport préféré? Après ce raz-de-marée, les pompiers... Allez, putain, ça pue la cocaïne! Et c'est qui a éjaculé des millions de fois? On retrouvait 666 putains de cadavres et nous avons retrouvé un survivant dans un centre de rééducation. Mais cet homme perd au casino! Un mec a inventé un nouveau gel révolutionnaire qui permet d'arrêter les saignements! Par contre, est-ce que ça marche vraiment? Oh! Yo, bienvenue dans votre journal pas comme les autres! Alors, viens la branlette? Mais non, je me branle pas!
Vous avez dû remarquer que ma jusqu'à vert porte toujours le même t-shirt gris. Oh shit, j'ai une fucking idée. Bonjour, merci de votre attention déjà. Donc avant de parler de chiffres et de boules bien boules, eh bien je dois vous présenter mes achats de... Je sais pas quand parce que je cherche toujours la feuille. Attends, j'ai acheté une chemise à un vendeur qui m'a mis 1 milliard de balles dans la tête. Non, des boules dans la tête. Et selon mes estimations, je vais porter cette chemise jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin de l'univers. Yeah, je serai invincible avec Satan. Je vais pouvoir faire le tour du monde grâce au Red Bull. Je vais pouvoir devenir Godzilla. Comme ça, je vais faire chauffer des meufs et surtout brûler la terre entière. Des questions? Non? Bon, s'il n'y a pas de questions, eh bien, commençons par les boules parce que les boules, c'est bien pour la santé et surtout pour les yeux. Pékin Express n'est pas mort. Il revient dans la saison 11 avec... Alors, dans le nouveau Pékin Express, nous avons ajouté de nouvelles règles hardcore. Comme par exemple, avec 1,50€ par jour, vous devrez manger de la cyanure. Putain de merde. Putain, ça fait chier. Eh, calmez-vous parce que, hein, vous vous êtes inscrit au jeu, alors jouez le jeu, bordel. Et en plus, c'est bon pour la santé. Hein, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme mélange, mais... Voilà, le jeu, il a commencé il y a 6 minutes. Merde, je sens qu'il y a quelque chose dans mon corps, attends, Stop, arrêtez tout de suite avec cette pub, parce que avec ce Colgate machin chose, eh bien, vous pouvez blanchir vos dents. Et ça, c'est bien. C'est pas génial, ça, en 3. Ah, je sais, je sais. Sinon, la fille, regarde le mec. Le mec, il se retourne. Il attrape la meuf, et là il commence à l'embrasser de force. La meuf elle veut pas, mais lui il s'en bat les couilles. Et à un moment il l'attrape, et il la baisse comme ça. Pa 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 pa. Et à la fin, tellement le mec il baise la meuf, que la meuf elle meurt. What? Round 1, fight. Oh. 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 D'ailleurs, il faut que je parte parce que je dois avoir un bar qui vend un verre de bière de terre. Ah, elle était drôle la blague. Voici les feuilles de cocaïne. La ville sera maintenant sous domination drogaine. Il y aura des vendeurs de shit dans tous les coins de rue. La monnaie sera remplacée par la cocaïne et le sperme. Veuillez suivre les instructions qui vous sont données. Allez, mets du Red Bull dans l'avion pour qu'on s'amuse un peu. Comme ça, il aura des ailes en plus. En hiver, c'est encore pire, parce que tous les minutes, je dois supporter la truc qui sort de votre nez puant. Allez, quelle est la couleur de ce papier, sachant que 99% qui ont fait ce test ont échoué à ce test. C'est difficile, hein? Non, mais vraiment, hein? Allez. Blanc, tu réponds? Mais non, c'était pas ça. C'était la couleur blanche. Vous avez choisi l'étage 666. Bravo. Maintenant, on va t'envoyer au 7ème ciel. Attends, je te passe quelqu'un parce que j'ai pas le temps. C'est qui? Le FBI? Venez me défoncer les chattes alors. Viens me voir toute nue dans mon lit, fils de putain. Avec ta petite quéquette. Allez, viens me voir avec ton petit couteau avec plein de sang et 500 litres de sperme. Allez, suce-moi mon couteau, s'il te plaît. Ah, on est dans le noir, mais je crois qu'on va pouvoir faire des trucs ensemble. Alors, 1123€, eh bien je vais... Ne m'ouvre pas, connard. Mais depuis quand tu parles? Moi, être né de père qui a 0 sur 20 en grammaire et mère tricheuse au contrôle, moi d'abord dire... Attends, c'est quoi le Viagra déjà? Un truc pour l'érection? Je vais vous rendre les tests d'histoire que vous attendiez tous. Alors, c'est bien, 19 sur 20, on peut pas dire le contraire. Alors, toi, tu te fous vraiment de ma gueule ou quoi? Par exemple, 52 avant Jean-Claude Van Damme? Sérieux? Yo tout le monde, je suis né le 26 février 1000. Et pour tout vous dire, j'ai commencé ma vie dans une chaleur intense. Eh ouais, comme le feu. Et après, je suis entré dans un trou sombre. Et après, c'est tout. Yo tout le monde, je suis né le 26 février 1000. Et pour tout vous dire, j'ai commencé ma vie dans une chaleur intense. Eh ouais, comme le feu. Et après, je suis entré dans un trou sombre. Et après, c'est tout. LOL. Mais je me demande, il y a combien de collègues qui sont comme moi? Il n'y a pas quelqu'un pour nous sauver tous? Breaking news! Les scientifiques ont mis au point par erreur, malheureusement, une substance qui a permis de donner vie à l'alcool. Voici les images étranges. Yo, je suis Hitler, chancelier en 2013. Et c'est moi le roi de l'internet, d'accord? Si t'es pas content, eh bien je vais appeler quelqu'un pour te torturer.
C'est moi qui ai imposé le buzz obligatoirement sur le net en faisant par exemple un Harlem Shake avec que des flingues qui dansent et qui brûlent le bunker. Du débat des clashs et du badass. Yo, que d'aller regarder après. Alors, qu'est-ce qu'on fait, bordel de merde Alors, comme un con, bordel. Quoi? Ne m'ouvre pas, connard. Passer le tout dans une boîte en carton. Je vais passer à la torture. Bim. 6. 5. Il est 17h59. Voilà, maintenant t'es en train de souffrir. Et puis... Au restaurant. Voici monsieur les plats qui restent dans notre restaurant. Ça veut dire... Oh putain, comment c'est trop bon. Ah, laisse mon cul. Oh putain, je vais jouir. Du débat des clashs et du badass. Yo à tous et bienvenue dans ce premier débat qui porte sur... quelqu'un qui achète une boîte remplie de cailloux au lieu d'une PS4. Alors, vos avis? Et alors les cailloux, c'est pareil qu'une PS4. On peut jouer avec, même que sa résolution est mille fois mieux que la 4K. Mais les cailloux, je te les enfonce dans ton cul, connard. Mais... C'est bon, vous avez fini de faire le chihuahua ou quoi? Oh, moi, ça fait l'an pour lécher. Bonjour, je recherche des candidats pour l'émission de télé-réalité Marcel Farius. Possibilité de satanisement, vous devez être satanisé pour participer au jeu. 666€ en jeu. Oh putain, mais c'est la solution. Là, c'est le jackpot absolu. Yo, ah, ça faisait longtemps. Soche présente. Putain, mais c'est impossible que quelqu'un arrive à dire votre merde. Alors allez me faire enculer. Pour ceci, vous prenez du papier, logique. Et après, vous devez commander cette montre-là à 2 balles. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, on s'en bat les steaks. Voilà, c'est fini, vous pouvez liker ceci et vous abonner à la chaîne. Bon, je suis né à la préhistoire. D'ailleurs, on est le 89 plus rue passe date. Par ma pensée. Alors, par exemple, je veux allumer ce micro-ondes qui est là-bas et qui va exploser. Alors, j'ai qu'à dire à mon bras, monsieur bras, pouvez-vous allumer mon micro-ondes, s'il vous plaît? Et là, pouvez-vous aussi mettre une baffe à quelqu'un du public avec du café chaud dans les mains? Non, ne l'écoute, merde, ne l'écoutez pas, bordel, du merde, vous allez me brûler ma main. Viens ici, viens par là, un connard, aïe, sans bitch, damn, et soit flash. Et puis voilà, vous avez votre clémence en carton. Alors on se retrouve tout de suite pour une démo. On se retrouve tout de suite pour une démo. Ah bah ça y est, j'ai mis 50 nuances de graisse sur ma clé USB. Oh putain. Oh bah, putain, ça brûle. Oh maman, elle est en feu là. Oh j'ai chiette. Bon chiette. Stop. 50 nuances de graisse en vrai. 3, 2, 1, action. J'ai envie de... Oh putain, ça me casse les couilles.
Dans une usine japonaise, donc Japon égale What the fuck? L'envoi 666. Bonjour et bienvenue dans votre wiki, je sais pas quoi annuel. Un mec a été confondu avec le pilote de l'A320 qui s'est crashé. Putain, quel désastre. Putain, on est où? Bah c'est Monsieur l'Ours qui veut nous, crocon. Et maintenant, c'est moi le patron, hein? Bonjour, je voudrais 25 double cheese s'il vous plaît. D'accord, ça fera 50 euros. 50 nuances de gras en vrai. C'est quoi cette merde? Je peux même pas rentrer ici ou quoi? Mais dégagez-la, pour le nom de Dieu! Mais vous êtes un sumotori qui pèse 500 kilos et la porte ne fait que 6 cm de largeur. C'est normal que vous pouvez pas rentrer ici. Vous êtes bien un sumotori? Attends, mais c'est la première fois que j'en vois un dans ma vie. Je peux vous toucher s'il vous plaît? Travail de chercheur d'infos insolites chez des informations internetisées, je peux vous dire qu'on a du lourd. Et aussi pour aller dans ces magasins, eh bien je vais m'habiller avec un costume que j'ai créé et qui ressemble à ça. Allô? Il y a quelqu'un pour m'aider? Merde! Et entre temps. Ils osent dire du mal de mon invention maléfique? Eh ben, on va bien voir! Voilà! Maintenant, faites-moi les malins! Connard de merde! Par exemple, hier, j'ai mangé un cheeseburger avec des papiers dedans! Je te jure, c'était trop bon! Toi-même, tu devrais en manger! Voici 5 fonctions qui manquent à cette putain de montre que tout le monde attend depuis 2006! Bordel, je vais m'énerver! L'Apple Watch! Bon, c'est le dernier patient que je dois opérer. Après, moi, je me casse à cet hôpital qui pue le sang! Attends, mais c'est Docteur Maboule? On fait quoi? Donnez-moi des outils, bordel! Donnez-moi des morceaux de plastique, merci! Après, il me faut quoi? Une carte de jeu, allez, donnez-moi! Merci! Bon, je vais opérer ces seins, allez! Allez! Putain, son nez vient d'exploser! Putain! Allez, faut pas que je touche au téton! Allez, le métal! Bordel! Il y a du feu sur son corps! Qu'est-ce qu'on fait? Fucking bullshit! Allez, moi je me casse d'ici! Ah oui, j'avais oublié! N'oubliez pas de louer des bagnoles fusées pour transporter la thune! Voilà, c'est la fin de ce tuto qui vous a permis de apprendre comment faire des frites de chez McDo! Alors je vous dis à la prochaine et bonne dégustation! C'est bon ça, poupée? Je crois que je vais aller chez McDo. Yo à tout le monde alors. Aujourd'hui on se retrouve pour manger de la neige. Putain, pourquoi j'ai choisi ce boulot de merde? Maintenant on va parler de nid d'humain avec des nids à Strasbourg. Alors c'est ça ton lieu de travail? Eh ben, oui. Attends, c'est quoi ce masque? On est dans ma chambre. Attends, ça se mange ce truc? Non, c'est une règle. Ah bah tiens, vous aussi vous gardez des glaces au chocolat dans vos chambres? Non, 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 dans mon sexe-feuille, lâche ça! Putain, mais qu'est-ce qu'il est con! Te faire défoncer le cerveau par l'autre connard d'animateur? Quoi? Genre moi, je suis un putain de connard d'animateur de fils de pute! Oh, c'est bon! En même temps, tu fais des vidéos nulles à chier! Donc tu vois que la drogue, c'est pour... Merde, tu m'as fait chier, là! Je me déconcentre, bordel! Là, j'ai fait une putain d'heure d'entraînement pour l'engueulade! Oh, putain... Oh, mon casse-le de malade... Merci, mec! De retour à son lieu de travail! Alors, à quoi ressemble ce clavier? Ah, il a une bonne gueule. Attends, mais c'est le même clavier que j'avais. Oh putain. J'ai plus de thunes pour pouvoir m'acheter un iPhone 6 Plus en 28 gigas. Merde, j'ai pas encore perdu. Merde, j'ai pas encore perdu. Yeah, j'ai gagné! Ils vont croire que... Et après, au Japon, il y a un village qui est comment rempli de renards. Et comme c'est le Japon, eh bien, c'est le pays what the fuck! Merde.
Le patient va mourir. Trouve-moi un putain de cœur. Tiens, des chocolats en forme de cœur. Mais non, mais t'es vraiment con. Putain, je me suis fait une blessure pendant le tournage de des informations internetisées. Oh putain. Et pourquoi y'a personne qui me regarde, bordel? Je comprends pas. Y'a des collègues comme Squeezie ou PewDiePie qui font 2 milliards de livres de chiffres d'affaires par milliseconde. Après la commande, voici ce qui se passe. Oh putain, mais qu'est-ce que je me fais chier aujourd'hui? Il faut que je balance pas mon truc. Oh, mais de toute façon, ça va pas péter le mur. Une balle de Kalashnikov. Oh my god! Mais où est passée ma boîte secrète? Attends, il y a une appli pour voir les éclipses solaires avec son Google Glass. Eh ben, je vais la télécharger tout de suite. Eh oh, attends, c'était quoi ce What the fuck intersidéral? Attends, c'est mis en 4. Ah, tu sais qu'il n'y a plus rien à regarder sur YouTube, mais tu veux quand même voir du What the fuck? Eh bien. Merde, merde, putain, j'étais prêt! Bonjour et bienvenue au premier cours pour devenir dealer. Et normalement vous avez dû passer un bac qui s'appelle le bac mention dealer et substance illicite. Et vous avez dû apprendre que pour débuter en la matière, eh bien vous devez tout d'abord vendre de la drogue à des femmes enceintes. Level 4. Je mange des filles avec au dessert une tronçonneuse avec plein de sang gluant comme un boisson dans l'estomac. Moi, pas par là, français. Wesh, pourquoi tu bois autant? Putain, mais t'as le ventre qui a grossi. Wow. Laissez-moi sortir, bordel. Où est la porte de sortie? Au secours, putain, merde. Mais tu sais ouvrir ta gueule, là? Attends un peu que je sorte ma batte de baseball stellaire invisible afin que tu fermes un peu ta gueule. Je tape l'adresse email d'un compte Facebook et là, c'est la surprise. Le logiciel nous dit qu'il n'a trouvé aucun mot de passe. Et après plusieurs tentatives, j'ai réussi à faire fonctionner le logiciel. En fait, ce dernier se contente juste de retrouver des mots de passe stockés dans Internet Explorer seulement lorsqu'on a cliqué sur « Retenir le mot de passe ». Et pourtant, il existe bien d'autres logiciels permettant de retrouver des mots de passe de tous les sites sur tous les navigateurs et tout ceci gratuitement et sans pub. Le monde est devenu fou! Aidez-moi! Oh mon dieu, c'est crème ça! Ça fait très homosexuel tout ça! Comme vous l'aurez compris, on va commencer cette vidéo par une fille qui a fait tomber son portable dans les. Quoi? Elle a fait ce que tout le monde devait faire en cas de. Non. Elle a fait ce que tout le monde devait faire en cas d'extrême urgence. Mais ça aurait été pire. Mais ça aurait été pire si elle a été défoncée. Apparemment, elle s'est pas rendu compte qu'elle risque. Non, mais. C'est Apple, je vais faire des jours. Alors, essaye de traverser le génère avec tes poches, sa caméra. Je t'emmerde, moi. Et comme ça, c'est un site de jeu. Ce qui manque, un putain d'écran qui serait au moins maniable. Oui, parce qu'avec des petites icônes et un écran de 1,5 pouces, Alors, essayons de toucher le bouton série. Oh putain, je tremble. Oh ouais, oh non, oh ouais. Activation de la bombe. What? Il y a un fucking bouton de bombe nucléaire à côté de série. Ou foutez de ma. Oh mon chien! Yo tout le monde, après le PC en carton qui marchait bien quoi? Eh bien, je vais faire une tablette en carton qui marche vraiment cette fois-ci! Ça, la carte mère avec sa nappe, faites encore très attention, car donne please! Recollez le tout et puis voilà! Le voilà, la tablette en carton! Après la tablette en carton qui marche. Bien quoi? Eh bien, nous allons faire une tablette en carton incassable! Et donc, si tu veux faire cette tablette en carton incassable, eh bien, suis ce lien. Et nous allons nous retrouver dehors pour faire un crash test! Encore? Eh, reviens par là, le fou! Mais trois putains de jours que moi, pas manger, moi vouloir manger. Hop là, sinon il va se casser la gueule, l'autre. Pourquoi je prends l'accent belge? On va tout de suite commencer par les news de la chaîne en commençant par le mois de mars.
Donc l'explication que je peux trouver à ce mois de mars, eh bien c'est que j'étais occupé pour faire de nouvelles émissions. Hein, je peux pas tout faire non plus, hein, excusez-moi, mais... Qu'est-ce qu'elle nous dit cette putain de paille? Eh bien, elle nous dit que tout simplement que dans les informations internetisées, eh bien il n'y aura plus que Xon News par vidéo. Et pourquoi? Puisque tout simplement, eh bien les gens ne comprennent pas qu'il y aura deux news par vidéo. Bon, il faut que je fasse vite, sinon la nuit va tomber. Alors, c'est parti, adieu tablette. Oh putain. Oh putain de merde. Bon, comme vous pouvez le voir, la tablette est... verte. Car aujourd'hui, on va s'attaquer à un doc pour tout. Mais si, vous savez, le truc là qui a été vendu par Apple et qui coûtait la peau du cul et qui servait juste à faire joli là avec son iPhone, eh bien moi je vous donne la solution pour faire ce doc, mais en version gratuite. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est le câble qui est mal foutu parce que Apple, l'argent et tout ça, vous comprenez, non? Il est quelle heure là? Ok, et j'avais un pigé en tête. Ok, et j'ai rien pigé en quelques nuits blanches. C'est super. Montre qui tient au moins le mois. Parce que s'il se casse tout juste après avoir l'acheté, j'appelle pas ça une montre. Bonjour, j'ai précommandé mon Apple Watch hier et donc j'ai voulu l'avoir et la tester comme tous les autres. Donc est-ce que ça serait possible s'il vous plaît? Oui, bien sûr monsieur, pas de problème. D'ailleurs, je les ai reçus ce matin alors faut en profiter. Alors je savais qu'il était cassé. Je vais prendre un autre. Non, c'est pas... moi je me casse hein, parce que 6 ans de file d'attente plus 6 ans de marche à pied. Oui, voilà, c'est celui-là. Monsieur. Activation de la bombe. What? Bon, aidez-moi, bordel. Et comment on fait? Je sais pas comment faire. Aidez-moi. Oh, t'es en train de trembler, de jouer à quoi faut. S'il te plaît, n'écharte pas. Est-ce que t'as déjà vu une chaîne de télé pour les chiens? Merde, putain! J'ai oublié d'enregistrer. Oh, merde! Ça part d'un bêtisier. Enfin, mon enceinte! Putain, j'étais prête! Oh, putain! Les escargots peuvent être utilisés comme une crème anti-rides grâce à sa barre qui est... dégueulasse. Et la question du jour, c'est... Est-ce que vous allez appliquer cette méthode? Non. C'est pour ça qu'il était 19h, alors. Deuxième essai. Et puis bah que dire d'autre? Ah oui, pour la caméra que j'utilise, eh bien j'utilise une Sony Handycam PC109E. Ah oui, et vous voulez voir la qualité? Eh bien ça donne ça. On fait quoi là? Pourquoi j'ai aucune vue sur mes vidéos? Putain, ça m'énerve. Puissance 2 fois 1 puissance 3, ça fait quoi? Oh my god! Yes! Yes! Yo tout le monde et bienvenue sur Nitelos. Si vous venez tout juste d'arriver, alors aujourd'hui on a quoi sur cette feuille? Eh bien, on a la naissance d'un prince, d'un bébé qui vient tout juste d'un prince et d'une princesse en Angleterre. Et je crois que c'est tout, voilà. Ça c'était pour le 12-15. Maintenant, on est à 15h. Oh là là! Yo tout le monde, c'est Arnaud et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à l'improviste. Donc encore une fois, eh bien pour cette vidéo, eh bien on va appeler Norman, fait des vidéos. Norman fait des vidéos, alors on va tout de suite faire la mise au point et appeler. Attention. Non, c'est... Merde. Je suis relié à l'électricité. Bon d'accord, mais après vous la fermez définitivement. Putain, je prononce plus les mots correctement. Dieu, peux-tu soigner ma maladie s'il te plaît? Dieu, peux-tu me faire gagner le combat contre Henri IV s'il te plaît? Dieu, as-tu le pouvoir pour que je baise cette demoiselle s'il te plaît? Depuis 15 heures, je raconte toujours la même chose. Putain, mais qu'est-ce qui me font chier tous les matins? À cause de l'œil, j'ai pas envie de me lever! Connais-tu le Lost Lake? C'est un lac qui se vide chaque année.
Putain, mais c'est hyper chelou comme truc. Allez, viens voir ton maître Godzilla. Eh, hey, je suis ton maître, alors respecte-moi. Oh my god, comme ça là. Tu bloques sur mes pieds. C'est du sperme. Il y a un bébé dinosaure Godzilla. Oh, il est en train de dévorer mon immeuble. Oh bah, c'est quoi ce bordel? Bon, vous détestez cette émission, hein, mais moi je la fais quand même parce que je m'en fous de vous, hein. Une meuf de 26 ans qui porte un embryon de 24 ans. Attends, comment on fait pour tourner? Je suis en train de baver sur un mail de Britney Spears qui va me vendre des pizzas. Bonjour, Siri, tu peux faire ça? Non, ferme vite. Sinon, je vais exploser avec une allée à la veste. Voilà, c'était le dernier débat de l'année, maintenant cassez-vous, hein. Ah, le putain de PC. Oh, vite, s'il te plaît, allume-toi, je t'en supplie. Oh, fais quelque chose, là. Quelques minutes plus tard... C'est la piste d'atterrissage. Ah, la salive, bordel. Putain, ton verre de merde, là. Pourquoi on peut tout arracher? Et voici l'avant-dernier des informations internetisées de l'année. Merde, putain, ça fait chier, là, de vous quitter, là. Putain. Sur les news de la chaîne, alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Ah oui, alors pour commencer, il n'y aura plus de nouvelles vidéos jusqu'à septembre. Un scandale. Yo tout le monde et bienvenue dans cette vidéo improvisée. Vous savez certainement que c'est la canicule et que c'est la merde en France. Et donc j'ai décidé de réaliser ce défi. Combien de bouteilles d'eau pourrais-je boire jusqu'en gerbant? Ce n'est pas quand je vais abandonner. Combien? Bullshit. Ah mais viens, n'aie pas peur de moi. Non, non. Putain. Ah, putain. Regardez-moi ça. Yo tout le monde, on se retrouve pour les news de la chaîne de la saison 2015-2016. Et ne m'engueulez pas parce que y a pas de vidéo. Eh oui, parce que je recommence la vidéo au moins 20 fois, bordel de merde. Parce que j'ai envoyé un message à Poisson Fécond quand il avait 20 000 abonnés et il me disait que le concept des informations internetisées était bon, sauf qu'il fallait faire un effort au niveau du montage. Et l'effort je l'ai fait, sauf pour les autres efforts. Donc voilà. Alors découvre le Xbox Vista 6666, le nouveau karcher qui peut nettoyer l'estomac d'un mammouth en moins de 6 secondes et qui peut aussi nettoyer les cerveaux de sages fous et qui sont fans de l'inspecteur Derrick en 4K. Quoi? Il y a quelque chose à montrer? Eh ben, allons-y, bordel! Merde, comment on fait? Chiette! Après 666 minutes de réflexion, si on se déshabille, on a un corps rouge. 333 plus 333 égale Saturn Edition. Je fais aussi des trucs en papier qui ne marchent pas et qui explosent sa mère! Attends, je vais exploser sa mère! Et aussi, je fais des cours pour ceux qui veulent débuter sur YouTube. Comme ça, ils deviendront des YouTubeurs, comme ces trois YouTubeurs en début de vidéo qui font de la... Excusez-moi. Enfin, les plus gros morceaux de tous les temps, les désinformations internetisées. Fucking bullshit. Des news what the fuck de partout et de partout.
Bonjour. Voulez-vous savoir comment est l'homosexualité chez les Allemands? Sa fille l'a découvert en train de se faire tatouer. Elle disait rien à foutre, motherfucker, comme un dick. Yo, est-ce que ça vous dit de faire un petit tour dans les égouts comme ça? Donc, on commence cette vidéo par une fille qui a fait tomber son iPhone dans les égouts. Y a pas plus simple. Elle a fait ce que tout le monde devrait faire en cas d'extrême urgence. Ça veut dire aller dans les égouts, yeah! Hey, je suis premier, alors donnez-moi une médaille au chocolat. Au minimum, hein, parce que. Les six pour adultes étaient un peu nuls. Avec la connexion, le chargement était si long que bien souvent, qui fait sur un chignon. Oh merde, merde, merde. Oh. Yo tout le monde, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisqu'on va parler de PDA, plus précisément de Hipster PDA. En 2007, je vous présente le tout nouveau bijou d'Apple, l'iPhone. This is a revolution. And now, putain, on doit payer 500 balles pour voir un show dans une salle de 2 mètres carrés. J'espère qu'ils ont mis tout leur fric dans leur nouvel iPhone, parce que là... Wow, on nous prépare quelque chose, c'est pas possible. Hé, hey, tu fous quoi là? On a dit qu'on se retient d'afficher le carnet panique, alors tu dégages. Fuck you! On s'en fout, tu dégages. Peter McCarthy est un chanceux qui déjà à son adolescence s'est fait frapper par la foudre, mais a survécu. Puis plus tard, il a gagné $1 million au loto avec Dodé. Hein. Selon les spécialistes, il y avait une chance sur 2,6 trillions de vivre ça. Ça veut dire 2.6.000000. Enfin, je sais pas. Mais les nouvelles boules démoniaques, elles sont trop chères. Comment on va faire pour arnaquer les joueurs du loto? Oh là là. Ah oui, j'ai une idée. Je vous donne les boules, mais en échange, je vais foudroyer une personne. Ouh, mais c'est risqué ça. Bon d'accord. Ça n'a pas marché. Bonjour, je suis un robot en acier inoxydable. Yo tout le monde, c'est moi et aujourd'hui on se retrouve pour faire un IHJB en papier. En fait, j'ai oublié d'enregistrer ça, lol. En fait, si. Hein? Et aussi, si dans la durée de visionnage d'une vidéo, la courbe redescend très vite, ça veut dire, là, elle est comme ça, après, ouh, après, ouh. Enfin, un truc comme ça, quoi. Eh bien, c'est que peut-être votre vidéo n'est pas très agréable à regarder. Mais vous, attends, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais j'ai le droit de danser sur orgasme.mp3. J'ai le droit, oui, oh merde. Certes, Steve est mort. Certes, Apple a plein de problèmes maintenant avec Tim Cook. Mais certes, Apple avait aussi merdé avant, à l'époque de Steve Jobs. RAM sur mon Mac de 2008, mais avant 2011, il y avait aussi plein de... Le cadrage et le mouvement. Certes, vous allez vous dire que c'est pas très important, mais en fait, ça l'est beaucoup. Et... Il n'y a même pas d'odeur pendant la canicule. Tellement on a pollué notre... Je crois que je vais faire un arrêt cardiaque. À cause de tous. Attention, si vous êtes un mordu d'Apple, arrêtez tout de suite cette vidéo-là avant que quelqu'un me fasse une infusion nucléaire radioactive sur moi. Merci. Et après la présentation de OS X qui a duré 666 années, nous pouvons passer à... L'iPod, hein? Ah, l'iPod, ce fameux baladeur musical qui a fait des ravages dans le monde entier, hein? Alors, parlons des ventes. Alors, depuis 2001, eh bien, nous avons vendu près de 500 millions d'iPods dans le monde entier. Vous vous rendez compte? Et depuis 2015, eh bien, nous avons vendu 5 millions, non? Il y a un problème. 5 iPods, non? Regardez d'abord la vidéo de l'iPhone 4S. Sur 5 minutes de vidéo, on a environ 77 secondes de poésie. Oui, parce que Apple est expert en poésie, hein. C'est genre le genre de la fontaine du 22e siècle. Pourquoi Apple ne ferait pas de poésie au lieu de... Non, laissez tomber. Préparez-vous à la révolution du 22e siècle avec la vidéo de l'iPhone 6S. Pour commencer, on a 12 secondes de écran blanc. Oui, c'est pas une blague, c'est vraiment la vraie vidéo.
Putain, ils ont tellement voulu la faire sobre que... c'est parti en couille. Attends, il y a un problème d'antenne sur iPhone 4. Ah mais c'est pas grave, hein. Au moins tout est bien prêt alors. Hein. Je vais tout de suite me l'acheter. Putain, pourquoi OS X est lent, bordel? Pourquoi Steve Jobs est mort? Comment je vais faire tourner mon business maintenant? Bonjour, c'est Christophe. Et aujourd'hui, on va parler de... trucs sensuels. Des toilettes. Piquantes, hein, sans jeu de mots pourris. Et surtout, la prison number one de tous les temps. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent super dur tous les jours. Il y a des gens qui travaillent plus de 15 heures par jour. Il y a des gens qui travaillent dans des conditions militaires. Il y a des gens qui sont morts à cause d'intoxication. Il y a des gens qui sont morts à cause de suicide. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de se plaindre. Il y a des gens qui se sont fait voler leur papier d'identité par Foxconn. Il y a des gens qui ont fait grève. Il y a des gens qui sont mineurs et qui travaillent ici. Alors pourquoi vous continuez à acheter des putains d'iPhone de merde alors qu'on peut commander à faire faire des bordels de merde? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi tout le monde est obligé de sacrifier d'autres morts parce que je prospère l'argent plus con? Pourquoi ce public est-il endormi? En je sais pas où, des joueurs de tennis allemands ont joué au tennis pendant 63 heures d'affilée non-stop. Alors ici, c'est des toilettes tout à fait normales, sauf qu'il y a un aquarium. Oh putain de merde! Ça sent mauvais par ici! C'est qui a décidé de me placer par là? Au Royaume-Uni, le direct d'un journaliste a été quelque peu perturbé par des magiciens. Mais précisément, ils ont fait quoi? Et donc, voici les nouvelles réformes. Alors, on va ramener des bombes nucléaires pour les larguer sur un programme. Tous les films seront édités par Satan Edition et tous les agriculteurs vont élever des t-shirts. Putain, comment on fait pour faire sortir le lait? C'était pas mieux avec les vaches avant? Aujourd'hui, breaking news, on va tout défoncer! Non, non, je déconne, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, hier, vendredi 13, hein, eh bien, il y avait eu 8 attaques terroristes qui se sont déroulées dans 4 endroits différents en Île-de-France. Putain! Donc, on commence par prendre beaucoup de carton et un truc pour couper le carton. Joshua Edmonds est un Américain qui fait partie d'un groupe religieux contre l'avortement. Et donc, pour ça, en période d'Halloween, il distribue des bonbons. Mais aussi cette fameuse figurine de foetus de 12 semaines. Bien évidemment, les parents ont été choqués. Et puis voilà. Et ça vous fait un beau truc, une belle table de chevet, d'après on va dire. Yo tout le monde! Aujourd'hui est un grand jour. Puisque nous avons atteint les 100 000 abonnés et les 5 millions de vues, ce qui représente à peu près 5 000 euros. Ah mais vous me croyez pas? Mais attendez, venez voir. Regarde-moi, j'ai les 100 000 abonnés alors. C'est qui le papa, hein? Je sais comment tu as fait pour avoir 100 000 abonnés. Tu es allé sur ta chaîne avec Google Chrome, tu as fait inspecter l'élément, après tu as modifié le chiffre et voilà. Bah attends mais... Putain, je me suis fait griller mais... Oh là là, mais comme pas possible! Bon, oui, c'était une blague de merde! Et alors? Hey, attends! Je vais faire une chaîne 10 000 abonnés sans vidéo! Et dès qu'on aura atteint les 10 000 abonnés, eh bien, je vais changer le nom de la chaîne! Et après, je vais faire des let's play de merde sur Call of! Comme ça, je vais pas me faire chier! Après, il faut être dans l'actualité, qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis à moins 1 200 $, c'est marqué en bas à droite, tu vas le voir, vous le voyez tous depuis le début. Oh non! Mais regardez aussi, elles veulent pas montrer leur trou, montrez votre trou, putain, faites comme papa dans maman! Enfin, faites comme maman qui veut séduire papa! En 2005, Chris Kammer, un médecin américain, a décidé de lancer Cash for Candy, un programme qui propose le rachat de ses bonbons d'Halloween à 1 $ les 450 grammes. Et en 2014, plus de 2500 dentistes font dans le monde Cash for Candy, et tout ceci est envoyé à l'armée américaine. Yo tout le monde, voici les commentaires what the fuck du jour. GG, merci merci pour tout ça. Je voudrais remercier déjà Monsieur Siri qui est élu par le conseil de la mort municipal de Raymond Trapagnolo. Procès verbal anti-tôle, camarade numéro 666 qui m'a aidé à négocier avec Monsieur Brice Comte Idier pour être le premier first. Et attends là, ça vient, la poste vient vers moi. Oh
Bon, Ken Furious, après c'est pareil, hein. Ah, là, il y a un mec qui s'appelle Conscientisé Sparta et qui dit « Arrête la drogue, je crois que j'ai mis un faux dans mon truc. » Tu as toujours remarqué que certains youtubeurs s'amusaient à mettre du texte à une vitesse folle. Et comme tu es un putain de curieux, quoi, eh bien, tu spammes ta barre espace. Alors, pour rendre hommage à ces textes-là, j'ai décidé de... Alors, tu vois, sur la vidéo où il parle de ses photos quand il était enfant, et puis après, tu appuies sur la touche 3, et après... Et le 9 est aussi pas mal. Un russe avait tenté de passer la frontière, mais avec 460 kg de fromage dans le coffre. Et donc, pour sécuriser les roches, eh bien, vous devez sauvegarder vos roches, faire un backup de tous vos roches, sur des disques durs, clés USB, disques durs, clés USB, etc. Enfin bref, je sais pas moi, pour que au final, vous faites tout en sorte pour que les vidéos ne soient pas supprimées par erreur. Une fois ceci fait, vous devez mettre ces mesures sur le carton, si ensuite vous allez découper ceci, et sur cette première partie du carton, vous allez d'abord y placer la coque transparente, plusieurs choix s'offrent à vous, vous pouvez le coller, le scotcher, etc. Moi je vais le scotcher. Réunis aujourd'hui, eh bien c'est pour vous annoncer un plan que nous avons élaboré tous ensemble qui consiste à dire que pour nettoyer un disque, eh bien il faut se mettre du dentifrice sur son cul. Comme ça on va se faire un max de thunes, bordel. Et du coup on a ça. Comment enlever les boutons d'acné? Bah il faut se mettre du dentifrice. Comment enlever les rayures? Mais ta gueule l'arnaqueur de merde. Créer aussi des rituels, ça c'est bien, comme par exemple dans What the Cut, les fameuses insultes en début de vidéo, bordel de merde. Au bac, deux élèves qui étaient jumelles ont eu la même note, au centième près. Et je sais ce qui s'est passé. Elles ont triché! Elles ont triché! Elles ont triché! Alors, ce fameux John, il est né en août 1944, plus précisément le 8 août 1944. Attends. C'est 9 mois avant l'armistice, bordel de merde! Mais c'est un putain de complot ça! C'est qui a décidé de faire ce sujet-là? Moi je vois des Illuminati dans cette caméra! Donc, à son enfance, eh bien, il n'avait presque pas connu son père, et sa mère, eh bien, elle allait régulièrement au temple de Mille-Portes parce qu'elle était protestante baptiste. Attends, mais ça sert à quoi ce bordel là? Et c'est qui a écrit ça? Ah oui, c'est l'autre que j'ai buté. Vous n'avez pas de sous, mais vous voulez quand même fêter Noël? Eh bien, pas de problème, vous voulez juste Blanche-Neige, Anna et le Père Noël en plastique. Ok, dis-moi ce que tu fais avec ça. Améliorer notre visibilité. Pour commencer, il faut optimiser nos métadonnées. Ça veut dire le titre, la description, la miniature, la catégorie, les sous-titres et les tags. On va commencer de façon plutôt joyeuse aujourd'hui, car on va parler de cette fille-là. Cette fille-là voudrait pour Noël Justin Bieber. Ou sinon le Père Noël risque d'être tué et les sirènes risquent d'être transformées en steak. Fils, c'est Furious. Yeah, je suis de retour parce qu'on est... On est quoi? Sur énergie. Mais on s'en bat les couilles. Ah, putain, j'ai trop mal. Je me suis battu avec ma seule couille disponible. Les 66 autres sont morts à cause de battage de couilles. Maintenant, oui, maintenant, je vais voir mon écureuil vert avec une grosse queue verte. C'est un écureuil très très sympa. Je sais même plus écrire. L'écureuil a aussi un œil qui tombe et qui est vert. Il a aussi deux grosses dents. Il a déjà eu un ventre en forme de 4 grosses, mais gros, ça. Tête. Ouais. Allez, qu'est-ce que j'ai mis comme autre truc là? Et pour commencer, tu vas imprimer ça sur les deux feuilles. Plus votre annonce est vieille, plus elle sera moins visible. Donc ce que vous devez faire, c'est reposter votre annonce en boucle tous les jours. Bonne chance.
Que s'est-il passé en 2015, Fred et Jamy? Du 7 au 9 janvier, on a eu les attentats de janvier 2015. Merde. En sortant des locaux de Charlie Hebdo, les frères Kouachi font preuve d'un calme glacial. Quelques mètres plus loin, les deux terroristes se retrouvent nez à nez avec un véhicule de police. La première équipe à s'approcher du lieu du drame. Avec le même sang-froid, les frères Kouachi s'extraient de leur Citroën et tirent. Et j'ai des trucs à vous annoncer qui sont mauvais, j'ai des trucs à vous annoncer qui sont bons. Donc commençons. Pourquoi j'étais pas là pendant à peu près 6 mois quoi. Donc j'étais pas là pendant à peu près 6 mois tout simplement parce que je voulais me consacrer à d'autres choses. Et si je me souviens bien, j'ai vu des manchots faire du toboggan avec moi. Hein? What? Oh shit! Pourquoi il y a trop de verre? What? What the fuck? Pourquoi il y avait un igloo? Bonjour nouvelle demoiselle, je suis le commandant Tux. Vous allez tout de suite embarquer dans notre vaisseau spatial pour détruire ces enculés de Windows 10 et de OS X El Capitan. I don't know. Vim Linus. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en cette journée parfaitement pluvieuse pour faire les news de la chaîne après avoir fait une vidéo sur les news de la chaîne Alors bonjour tout le monde, eh bien je reviens dans cette vidéo tout simplement parce que j'ai oublié de faire un truc. Donc ce truc là en question, eh bien c'est tester l'éclairage. Yo tous les gens de la planète, aujourd'hui on se retrouve dans l'émission qui a fait le plus de victimes sur Terre, les désinformations internetisées. Yeah. Au programme, on aura des vidéos de merde, des infos de merde, des sketchs de merde, une présentation de merde. Mais j'y peux rien. Mais attendez, quand même, là ça a bien changé en un an. C'est quelqu'un qui possède des images pédopornographiques. Attention, il faut exterminer ce quenouille avant que les mini grenouilles aient du sexe sortent. C'est... Tu vois un sextoy? T'en le souhaites? Sinon je vais vous assassiner. Monsieur, je vous signale que vous passez à la radio. Enfin bon bref, comme notre fidèle auditeur nous l'a dit, eh bien on va mettre un sextoy dans notre hamburger parfait. Un truc très très à la mode. Hey, tu crois que tu nous fais peur? Attends, avec ma Kalachnikov 666, on peut décapiter 6 millions de ninjas à distance. Mais oui! C'est une voile en forme de triangle rectangle en R avec vecteur non nul collinéaire parallèle entre eux. Maintenant, veux-tu m'aider à mettre cette voile dans le cul du rhinocéros? Oui? Eh bien, let's go! Oh oui! Oh non! Mais en tout cas, cette voile me marre à la perfection! Je vais jouer! Ah! T'es vraiment génial! Allez, on y est presque. Ça y est, on a réussi. Sauf que comme tout restaurant qui se respecte, eh bien un employé lui a demandé de bien briller moi. Non, voilà, c'est bon. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo news. J'ai failli dire émission mais bon c'est pas grave. Donc on se retrouve pour cette vidéo news après avoir fait une vidéo news où j'ai bien galéré à la tournée. Et donc je suis obligé de recommencer cette vidéo news tout simplement parce que l'ancienne que vous n'avez jamais vue, enfin, que vous ne verrez jamais d'ailleurs, eh bien à la réunion annuelle des terroristes et des complotistes internationaux, après avoir exterminé une fois même deux fois la France, après avoir exterminé le pays des frites qui est la Belgique, nous avons décidé de exterminer le chevalier noir. Non mais, attendez, mais c'est pas sérieux. Qui a fait ça? Comment faire quand on veut consommer du cannabis mais qu'on est un peu endetté? C'est dégueulasse comme jeu, bordel. Non, je crois que c'est la cocaïne. Simplement parce que tu veux que j'écrive quoi avec 140 caractères? Et tu veux que je prenne quoi en photo aussi? Il y a tout juste 3 ans, je voulais commencer à faire des vidéos sur YouTube, sauf que je n'avais pas encore mué,
Et donc je faisais de la merde. Et je te propose de faire ressortir cette merde avec les vidéos que tu n'as jamais vues. Donc c'était une série de vidéos un peu comme bref, mais sur le thème des ordinateurs et Halloween. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, j'en ai aucune idée. Sauf que je n'en ai sauvegardé que 9, donc enfin bref, voici les vidéos. En Floride, une américaine de 34 ou 24 ans, enfin je sais pas, s'est récemment fait colorer ses cheveux. Sauf que, petit détail, la couleur change à chaque fois qu'on change de pièce. C'est pas très beau tout ça. Bon après c'est pas très utile. La musique peut avoir un très très grand impact dans la vidéo. Ça permet d'ajouter du rythme et de l'émotion dans la vidéo. J'arrive pas à dire rythme. Ça peut même transmettre des messages. Et toujours en utilisant la bonne musique qui va avec. Ah ah, c'est très drôle. Il est juste là-bas cet enfoiré. Oui. Oui, je vous entends. Oui, j'avais une question. Oui. Comment ça se fait que vous ayez réussi les vidéos, le succès? J'ai réussi car j'ai couché. Un expéditeur a envoyé 10 000 roses pour la Saint-Valentin. Ces roses étaient entassées dans deux camionnettes et comme son appartement était trop petit, eh bien elle a dû distribuer aux voisins. Un supermarché Aldi a fermé en Angleterre car une famille a découvert dans un rayon de bananes des œufs. Des œufs de araignée banane. Oui, les araignées mortelles. Savez-vous que les hommes sont plus fans de la Saint-Valentin que les filles? La preuve avec ces quelques infos et ces quelques chiffres. Les hommes sont plus romantiques que les filles. Trois quarts des garçons passent leur Saint-Valentin avec leur vrai partenaire, tandis que deux tiers des filles préfèrent la passer avec leur amant. Et pour finir, un pâtissier confectionne des positions du Kama Sutra en chocolat. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Une femme qui est morte en 1656 a été retrouvée 350 ans après, donc en mars 2014. Et en plus dans un très très bon état pour son âge. Et il y a juste un petit dernier truc avant. Alors, je vais prendre mon ciseau. Attends, mais elle est passée où? Attends, elle s'est barrée avec mon os. En 1656, on mangeait. Et voici, chère demoiselle, un os sur son lit de pomme de terre. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation des écouteurs intra-auriculaires noirs que j'ai prêté à un ami bien sympa. Et on va tout de suite commencer par... Stop, arrête cette vidéo tout de suite. Mais ne montre pas mes cérumènes, bordel. Et pour finir, on va essayer de replier les languettes à l'intérieur de façon à fermer le portefeuille. Et puis voilà, c'est fini. Ah, je vais même appeler sur ton fixe et sur ton... Sur ton portable. Je veux ton 06. Ah merde, je veux ton 50-20. 03, 89, 32... Putain, excusez-moi, mais... 03, 89, 32, 13, 16. Merci. Je vais prendre maintenant une GoPro et appeler ce numéro pour défoncer à mes deux temps. Yo, leur si coupable et qui a déjà fait 666 mois de prison pour viol avec Arlène Shark en devant la victime. Là, on sait vraiment ce que le serpent voulait à ce moment. Oh yes, à moi tout cet argent. Il n'était pas présent depuis des lustres. A-t-il gagné le combat ou a-t-il échoué? Vous le saurez dans... En fait, on sait pas, c'est juste que j'avais la flemme. Bref, reprenons. Après l'habillage très tourmenté, le mec s'installe et... Le show commence dans 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Bref, quand le show commence vraiment, faites péter les lumières pour Mr. First. Ah, mes yeux brûlent. Devon Staple est un habitant de Calais aux États-Unis, bandit de merde. Et il s'est donné un défi mortel, utiliser sa tête pour lancer un feu d'artifice. Et il est vivant, il va bien. Non, je déconne, il est mort. Et ça commence quand? Faites-le, moi je suis en train de border devant Kim Kardashian. Mais vous n'avez pas besoin de moi quand il faut commencer. Même moi avec ton feu foiré, chien.
transformer une idée en projet. Avoir une idée, c'est bien, mais par contre, pour que cela rende très bien, eh bien, il faut suivre différents conseils. Le comité d'Ottawa, une jeune étudiante a voulu faire une blague, effrayer sa colloque en jetant un feu d'artifice, et en fait, c'est l'appartement qui est inhabitable maintenant. Personne n'a été blessé, mais par contre, les responsables du drame doivent payer les réparations. God, guys, I've just come back from Morrison's, and yes, I have picked up some of these. Yes, I got served. Let's just work out one of these beauties. Now you see, I like that. Never really tried one of these before. I'm not gonna lie. Let's just write this bad boy on. Yeah, motherfucker. Now you see, I quite like that. I quite like that. It's looking pretty nice here. Yes. Nice. I like. Yeah, nice like that. Comment faire quand on veut consommer du cannabis mais qu'on est un peu endetté? Au Japon, le pays du what the fuck, hein, une enseigne vend des pastèques en forme de cube. Et je vous avais bien dit que c'était un pays what the fuck, hein. Bon, enfin bref. Sinon, quand on le mange, il n'est pas très bon. Mais selon eux, on peut se servir de cette pastèque cubique comme décoration. À 96 euros seulement. Dès qu'on a une idée un peu précise de l'histoire, on passe à la rédaction. Et donc là, on peut faire une pause et recommencer comme le fait Antoine Daniel en ce moment. En fait, c'est quoi l'objectif de ça? T'en as trop pris, gros! T'as capté ce qui se passe au moins? Dis-moi! Ouais. Tu serais pas du genre à taper la meuf de ton meilleur ami? Tous les dimanches, j'ai ce putain de soleil qui tape très très fort, et comme si c'était pas suffisant, j'ai ce putain de bruit de tronçonneuse qui me donne des nausées cérébrales. Vous êtes déjà tous amusés avec le papier bulle qui explose. La société qui a inventé le papier bulle a inventé un nouveau type de papier d'emballage révolutionnaire qui ne claque plus. Ne pas confondre fontaine et femme fontaine. Oh là. Ah, ça désaltère, hein. Blague un peu lourde. Vous n'avez jamais rêvé de voir les chaînes qui font leur pub dans les commentaires d'une vidéo, mais... Vous n'avez jamais rêvé... Bon, enfin bref, de toute façon, j'ai déjà tourné la vidéo, donc si t'es pas content, eh bien tu te casses. Car oui, il y aura, selon les scientifiques, une mini-période glaciaire sur la planète qui ferait qu'on aura encore plus froid en hiver. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des bonbons de 2006. Alors, c'est pas une blague, hein, ces bonbons, ils datent littéralement de 2006. Et pour vous, eh bien, je vais les manger tout de suite devant une caméra. Hein. Donc... En Espagne, une Espagnole a attaqué eBay en justice parce que cette Espagnole vendait le soleil. Elle se dit pourtant propriétaire du soleil et donc elle s'est fait bloquer son compte car elle vendait en gros 1 mètre carré de soleil pour 1 euro. Voilà, c'est pas une blague. Yo, tout le monde ici, c'est PewDiePie! Pas de vomissement, non, parce que... Quel youtubeur vos fans veulent-ils voir sur votre chaîne? Et en Allemagne, un QR code sur des ketchup Heinz, Google Traduction, tu es là, non? Renvoie vers un site porno. Ensuite, il y a moi qui arrive et qui dit... Oh, fucking for use! La nouvelle émission, non, c'est pas ça. La nouvelle série où il y a du porno à barrer. Et à la fin, j'écris... Là, si personne ne remarque la faute, tu ne te trompes pas. Je connais ta souffrance. Courage pour endurer ces commentaires. Vous y allez en train, en voiture, en avion, etc. Et bien sur le Google Maps britannique, les utilisateurs peuvent y aller à l'aide d'un dragon ou d'un monstre du Loch Ness. Annie Sanado veut battre le record du plus grand selfie du monde après Microsoft et Coca-Cola. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Ok, je me casse. Et aujourd'hui, nous allons tester un nouveau jeu qui est sorti sur Storm et qui s'appelle Agorio. Donc, probablement, c'est un jeu de boules. Donc, on va commencer tout de suite. Mais avant, je vais sortir mon arme secrète. Entrez. Ah, putain, mes oreilles, elles sont en train de fondre. Ah, non. Retiens-toi de frapper ton écran à 666 euros. Écoute plutôt cette musique joyeuse. En fait, c'est un bonbon orange. Mais aujourd'hui, il est vert. Putain, ça colle, ça colle, ça colle.
quel jeu, what the fuck, bordel. Et voilà, t'as tout fini, regarde-moi comment c'est beau. Les dinosaures ont un organe de copulation et de mitose qui s'appelle le pénis. En fait, il y a zéro personne qui m'écoute. Nichon. Voilà, comme ça, vous écoutez mon cours. Alors, je disais donc que les dinosaures ont un organe de copulation et de mitose qui s'appelle le... Le boule. Alors, les dinosaures ont un organe de copulation et de mitose qui s'appelle le pénis. Et ce pénis-là, eh bien, il... Bon, vous savez quoi, mon cours, il m'intéresse pas. Alors moi, je vais tout de suite... Why not ? Organiser le soirée de partie spécial boule à Satan City, dans, plus précisément dans la couperie de Satan City, où là, on va apprendre comment couper de l'eau, hein, et comment couper Satan aussi, hein, et... En fait, il n'y a personne qui m'écoute. Il y a des gens sur Skype. Allô ? Et quant à nous, nous allons se retrouver dans les guides et astuces sur YouTube où là, on fera des tutoriels, ce sera super génial, enfin bref, vous verrez, et comment dire déjà? Ah oui, salut à tous. Arnauden, à quand une prochaine vidéo ? Voilà, tout ça pour vous dire qu'il faudra attendre quelques semaines pour voir une nouvelle vidéo. Sur ce, bonne fin de vacances à tous. Dans la galère, voilà, tout simplement. Oh là là, c'est très dur là quand on commence une deuxième fois la prise. Aïe aïe, je vous raconte même pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant ces deux mois? Bah, en fait, c'est à cause du montage, tout simplement. Non pas que je suis un flemmard, d'ailleurs, j'ai commencé à penser à la prochaine saison, là, 2016-2017. À partir de juin, j'ai écrit en juillet et j'ai tourné en août. Bon, ça a pris du retard, juste une semaine. Bon, ça, c'est pas très grave. Mais surtout, l'ennemi public numéro 1, c'était le montage. Et le montage, eh bien, c'est ce qui a pris deux mois entiers à monter, bordel de merde. Et donc, pourquoi le montage a été si lent? Et là, je regarde ça, parce que si moi je dépasse 13 minutes, eh ben là, c'est mal. Eh bien, c'est parce que, tout simplement, les années précédentes, eh bien, je mettais juste la vidéo, la rush, je sais pas quoi. Et je mettais juste aussi les effets sonores, la musique, quelques images, et puis tralala, tralala. Voilà, ça fait une vidéo, c'est génial. Mais bon, c'était amateur, mais c'était génial. Aujourd'hui, j'ai envie de me professionnaliser, de faire comme il faut. Et donc, eh bien, du coup, eh bien, je suis en train de postillonner sur mon micro. Ça, c'est génial. Là, je suis en train de bouger ma chaise aussi. Qu'est-ce que je disais? Eh bien, je disais tout simplement que les vidéos allaient se... Que moi, je voulais faire bien, tout simplement, faire procès professionnel. Alors, du coup, j'ai ajouté des étapes. Et qu'est-ce que ça fait en ajoutant des étapes? Eh bien, moi, je croyais que j'allais faire tout ça en une semaine. Monter 40 vidéos en une semaine. Je pensais que c'était possible. En fait, ça ne l'est pas. Mais attendez, c'est pas ça le seul problème. Puisque le deuxième problème, majeur, important aussi, eh bien, c'était mon ordinateur. Mon ordinateur de fils de pute. Et donc, aïe, 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 pauvre ordinateur. Et donc, mon ordinateur sur lequel je devais monter les vidéos, eh bien, c'était un ordinateur, un Macintosh, quoi, qui pouvait tourner sous OS X. C'était un ordinateur le plus puissant que j'avais. Et avec un Core Duo, bien évidemment, avec une carte graphique bas de gamme, en plus. C'est génial. Et donc, je croyais que j'allais monter ça sur ce Hackintosh. Sauf que problème, comme c'est Hackintosh, eh bien, comment je mettais la piste sonore, eh bien, ça n'affichait pas les ondes. Et donc, pour synchroniser le son et la vidéo que je suis en train de parler, parce que j'ai pas de micro, eh bien là... putain, fait chier là. Donc là, vous m'entendez? Et donc, là, les ondes ne s'affichaient pas tout simplement. Et donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû prendre un MacBook. Encore plus pourri que mon PC, c'était génial. Enfin bon bref, tout ça pour vous dire que les raisons, elles s'expliquent tout simplement. Et que voilà, maintenant je suis prêt à sortir les 40 vidéos. Enfin, je crois que c'est à peu près 40, une quarantaine de vidéos.
sur cette chaîne. C'est quoi ce bordel? C'est iMovie à 200 balles ou quoi? Mais bon, il y a quand même beaucoup de youtubeurs qui l'utilisent, il y a aussi des cinéastes professionnels qui l'utilisent. Et donc après, qu'est-ce que je dois vous expliquer? Eh bien, c'est que vous devez faire le bon choix. Pourquoi? Tout simplement car quand vous changez de logiciel de montage, par exemple, je suis passé de Final Cut Pro X à CadenLive, un logiciel de montage sous Linux, alors il y en a pour qui c'est trop bien, etc. Et j'en suis très content, mais il y en a d'autres pour qui c'était le bordel. Comme moi en fait. Car en gros, quand vous changez de logiciel de montage, vous aurez la frustration de tout réapprendre, de ne plus paraître professionnel comme avant, et de monter de manière lente. Et c'est pour ça que je suis repassé à Final Cut Pro X il y a quelques mois. Donc faites le bon choix. S'il vous plaît. Aujourd'hui, je voulais vous faire une story time. Pour réagir à des musicalités drôles. Pour notre deuxième podcast sur les profs relous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Essayez de ne pas rire. Bonjour, vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Agissez contre la connerie sur YouTube. Stop les conneries à deux balles. Non mais... Oh là là, on voit jamais la souris. Oui, oui, oui. Yo, ça vous dit de faire un tour dans les égouts? Non. On commence cette vidéo par une fille qui a fait tomber son portable dans les égouts. Y'a pas plus simple. C'était le 3 septembre 2014, je lançais le tout premier désinformation internetisée. Et c'est avec 2 mois et demi de retard que je lance le tout nouveau désinformation internetisée. Yo tout le monde, moi c'est Donald Trump. Trompette. Trump. Trompette. Ok bon, c'est une blague pourrie, alors. Non, il faut revoir les lois, il y a les deux. Il faut revoir les lois, loi Dati, loi Taubira, et il faut les appliquer. Ça fait beaucoup de travail. Et construire les places de prison nécessaires, etc. C'est l'ensemble de la chaîne pénale qu'il faut reconstruire. Alors, j'ai commencé ma vie en étant délégué de classe. Bon bah oui, il faut bien commencer par quelque chose un jour. Puis ensuite, j'étais très très républicain, ça veut dire le parti avec Donald Trump. En 2009, j'avais promis de ne plus me présenter aux élections présidentielles. Mais en 2015... Bah voilà, vous aurez compris quoi, sinon cette vidéo n'aurait jamais existé. Donc tant qu'ils n'auront pas lâché pour de vrai, est-ce que les promesses, bah on est toujours dans les promesses. Les syndicats majoritaires, on a vu, ça y est, Alliance hier et UNSA, ils ont rassemblé personne. Unité aujourd'hui, ils sont moins nombreux que nous aussi. Donc on est content, on voit bien que les syndicats majoritaires sont déconnectés. Et Monsieur Hollande va quand même les recevoir ce soir pour faire promettre mont et merveille comme tous les ans. Oui, le jeudi 3 novembre, c'était la journée nationale contre le harcèlement. Il y a des dépressifs, des suicides, une nouvelle pub, des... Voilà, ouïouïouï, c'est très très grave, il faut en parler. Oui. Sauf que, est-ce que BFM TV et tous ces médias-là, est-ce que ça vous ferait chier de parler ne serait-ce qu'une seconde des victimes qui ont tout fait, qui en ont parlé, etc. et qui sont toujours victimes? Hein? Bordel de merde! Non mais regardez, on voit presque que ça sur la page Facebook de non-harcèlement. Passons tout de suite à la deuxième vidéo. Une vidéo qui s'appelle GR58. Wow, c'est le nouveau modèle d'avion pourri ou quoi? Mise en ligne le 2 septembre 2005. Wow, putain, on a du lourd. Bon, c'est quoi encore ce bordel? En première place, on a la vidéo d'explication. Bon bah, voilà quoi. Hein? 2 € pour voter aux primaires? Stop! Alors déjà, c'est quoi une primaire? En gros, vous allez voter pour un candidat de gauche, puis un de centre, puis un de droite. Et celui qui a eu le plus de votes dans le groupe de gauche va être le seul candidat de gauche pour les vraies élections présidentielles, ça veut dire celle de 2017. Et ainsi de suite pour le centre et la droite. Ce qu'on demande, c'est la nomination d'un directeur de la rédaction, parce qu'il n'y en avait pas hein, depuis le départ de Guillaume Zeller au mois d'août, un directeur qui puisse garantir l'indépendance de la rédaction. Moins de moyens, et puis voilà. Récemment, des missions ont été annulées ou réduites, des missions d'information à l'étranger ont été réduites. Faute de moyens, alors que on accueille Jean-Marc Morandini qui, va travailler avec une équipe de 6 personnes dédiées à son émission pour 1 heure d'antenne. Il veut l'écraser avec son pied, il veut qu'il lui suce la bite ou quoi? C'est quoi le projet derrière tout ça? What? T'as un vagin à la place de la bite? C'est quoi ce bordel? Donc si c'est père, eh bien c'est Trump qui gagne, et si c'est un père, eh bien c'est Clinton qui gagne. De mauvais choix. Enfin bon bref, c'est parti pour le lancement.
On a le numéro 4, donc le numéro 4 c'est pair, donc c'est Trump que je pense qu'il va gagner. Elle a tout pour nous faire retourner le cerveau à l'envers. Là d'un côté on a une meuf qui visiblement en a marre de la vie, puis vient un élément perturbateur ou un autre demande quelque chose et la traite d'enculé. Et après, oh putain, elle se réveille. Ce qui leur servait d'abri, de lit et nettoyant quelques minutes sous le regard des habitants du quartier. Mais ils sont pas méchants, ils demandent rien à personne, ils vous regardent même pas, tellement qu'ils ont peur. Vous comprenez? Il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que là-bas, c'est dégueulasse. Yo tout le monde, bande de sacs remplis de bites. Putain, c'est qui m'appelle? C'est un numéro en 09. Ouais. Merci, Free. Allez, c'est reparti. Comment tu prends la photo, espèce d'enculé? Oh, tu te calmes. Comment tu prends la photo, espèce d'enculé? Oh, tu te calmes. Comment tu prends la photo, espèce d'enculé? Oh, tu te calmes. Ah mais ça. Alors bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top. Ah, j'adore la bagarre. Donc l'Atlantide, pour commencer, c'est une île, petite ou grande, on ne sait pas. Toujours pas avec cette théorie du complot à deux balles. En un, il va améliorer et non pas supprimer la loi assurance maladie comme il avait promis. Appelé aussi Obamacare. Nous, on va plutôt parler de ce qui se fait aujourd'hui, ou enfin, un peu hier sur l'Atlantide. Je dis un peu hier car effectivement, il y a un peu de Seconde Guerre mondiale. En fait, Hitler avait considéré cette île comme le berceau de la race aryenne, donc les nazis tout simplement. Pour commencer, on va retourner en primaire. Alors, les enfants, regardez. Là, je suis en train de dessiner le monde. Regardez, il est beau, hein? Dites-moi qu'il est beau, hein? Bon, ok, j'ai un peu trop abusé peut-être. Non. Et aussi, il y avait un matériau super rare qu'on trouvait uniquement là-bas, qui s'appelait le O-R-I-C-H-A-L-K-U-E. Mes concurrents, je devais passer ce soir sur le 19-20 de France 3. Donc écoutez, puisque visiblement vous n'avez pas l'intention d'écouter ce que j'ai à vous non, dire. C'est vous qui avez dit que vous je quitte ce plateau, monsieur. Je vous remercie de votre invitation. Merci, Jean-Philippe. Nous verrons bientôt. Merci. C'est ce qu'on appelle faire du buzz à pas cher. Merci beaucoup. Et ce fameux buzz à pas cher lui a coûté la bagatelle de 100 000 vues sur YouTube. En tout cas, là, il veut garder le secret. Là, tu le sens venir, le doute. Aujourd'hui, on va à quoi? C'est qui a été élu? Alors effectivement, mon activité principale et préférée, c'est l'investissement dans tout et n'importe quoi. Mais il n'y a pas que ça. En 1987, j'ai pensé à me présenter à l'élection présidentielle en tant que républicain. Mais je ne l'ai pas fait. Puis en 99, je sors des républicains. Même que quelques années plus tard, j'ai financé la campagne de Hillary Clinton. Mais après que Hillary Clinton a échoué à devenir présidente, en 2009, je me suis retourné vers les républicains. Puis ensuite, il y a quelques semaines, tout le monde s'est jeté contre moi. Non, pas littéralement, il n'y a pas eu de blessés. Mais un journal a fait ressortir de l'iceberg une vidéo, un truc audio, enfin bon bref. On n'est pas là pour débattre sur le MP3 ou la AC, bon voilà. Non, dans cet enregistrement, j'ai dit, quand vous êtes une star, les femmes vous laissent faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les attraper par la chatte, faire ce que vous voulez. Et là, le désastre commence. Question, sait-il parler aux jeunes? Parce que la France, c'est par-dessus tout un projet d'émancipation des individus, d'émancipation de la religion, des conditions d'origine. En fait, non, on comprend rien. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris son discours de quelques 18 minutes, voici le même discours en quelques secondes. Bien, j'ai gardé mon silence dans des affaires comme le scandale de Whitewater. En gros, le couple Clinton a investi beaucoup d'argent sur la rivière de Whitewater. Et à la fin, on a tout perdu. Dis pas, l'événement anal de la semaine. Et dans la politique, on parle aussi d'arrêter le terrorisme. Alors pendant ce temps-là, le gouvernement nous a pendu une autre campagne de prévention sur le djihadisme et tout, enfin bon, voilà. Médias, mots compliqués, etc. C'est cool, hein. En gros, la vidéo de prévention, on peut la résumer à ça. Oh là là, les djihadistes, c'est pas bien. Peux-tu cliquer sur la bonne réponse? Oui. Maintenant, peux-tu éviter le chipor le djihadiste? Oui. C'est gagné. Oui, je suis tout content. Yo tout le monde, vous voulez devenir vidéaste, mais voilà, votre portefeuille ne veut pas vraiment que vous deveniez vidéaste. Mais vous voulez le devenir quand même. Alors, cette vidéo sera peut-être là pour vous aiguiller dans vos achats de matos. Et du bon matos. Enfin, presque.
Chez Apple, on aime bien créer des choses. Utile ou pas, on s'en branle. Et puis un jour, j'ai vu la vidéo faite par un petit con appelé Arnaud Dunn et qui nous disait qu'on ferait bien de se lancer dans la poésie vu qu'on sait plus faire que ça. Alors, c'est pour cela qu'en 2016, nous sortons notre premier livre à 300€. Et chez Apple, nous aimons vendre des vieilles photos à des prix super chers. C'est notre passion et on fait croire qu'on a travaillé 8 ans dessus alors que cela nous a juste pris 2 minutes pour gagner 2000€ déjà. Oui, parce que certains appareils font des belles photos mais des vidéos de merde. Pas comprendre pourquoi. Bon là, pour les plus nuls, en gros, un compact ça donne ça. Donc probablement c'est un jeu de boules. Donc et un hybride ça donne ça. Un truc sorti autour de 2010-2011. À l'étranger, à présent, et cette déclaration de Bachar al-Assad à propos de Donald Trump, le président syrien estime que le président américain élu pourrait être un allié naturel de Damas. Le micro, le truc qui fait le son et qui est d'ailleurs très très important dans une vidéo, je le rappelle. Bien que l'image soit importante, le son l'est encore plus, car vous pouvez avoir une image dégueulasse. Si le son est bon, ça va. Par contre, si le son est inintelligible, personne ne s'intéressera à ce que vous racontez. Et contrairement à ce que certains pensent, un micro de qualité n'est pas forcément très cher. Est-ce que t'aimes jouer au football? Bof. Pourquoi? C'est ma mère qui m'a forcé à faire du foot. Elle attend de moi que je devienne une star aussi vite que possible. J'essaye de lui dire que ça prend du temps, mais j'ai énormément de pression. Aujourd'hui à l'académie, séance photo pour les 2600 pensionnaires avec le directeur de l'école. Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans le 61e des informations internetisées où on va parler sexe, pute, Trog, Kalachnikov. Non, ça sera toujours la même merde, donc vous pouvez partir. À part les Kalachnikov, dont on va en parler tout de suite. Intro. Alors, tous les employés se sont mis en tête de économiser sur tous les points. Le plastique rouge, etc. En effet, les machins de prévention contre le djihadisme, machin payé 2 milliards d'euros par l'État, ont fait leur effet. En fait, pas du tout. 7 gros cons ont voulu faire un attentat, comme on en a l'habitude en France. Et enfin, en Syrie, pays où là, c'est bien sûr, ils sont bien copains et copains avec Daesh, ils financent Daesh, le président de la Syrie, Bachar el-Assad, est bien copain avec Daesh. Et c'est ainsi que le 15 juillet 1983, un attentat se produisit à Paris. Oui, comme en Belgique, en 2016 à peu près. Oui, à Alep, une grande ville de Syrie, il y a deux parties d'Alep, celui normal et un autre appelé quartier rebelle. Et en fait, sur internet, j'ai rien trouvé pour quartier rebelle. Bon, en même temps, sur internet, on n'est même pas foutu de vous expliquer ça simplement. Alors on va dire, suivant le contexte, que c'est un quartier où tout le monde est contre Bachar el-Assad. Donc ce quartier rebelle est contre lui, et comme il est contre, eh bien Bachar el-Assad va envoyer des militaires pour leur bien péter la rondelle. Mais genre bien quoi. Par exemple, les militaires ont été envoyés en septembre 2016 et aujourd'hui il n'y a plus aucun hôpital. Par contre, des morts, il y en a une masse, hein. Il existe actuellement une astuce pour couper la puce Disney, et l'astuce, c'est de couper la puce Disney. Oui, je sais, elle était pas mal celle-là. Les désinformations internetisées est une émission d'info créée il y a 2,5 ans. A l'origine, cette émission décrivait et analysait avec plus ou moins d'humour un fait insolite avec un petit sketch. Puis 2 ans plus tard, le géniteur des désinformations internetisées a décidé de tout foutre à la poubelle et a lancé un tout nouveau journal politique. Trop sérieux en fait. Mais avec toujours plus ou moins d'humour. Mais qu'est-ce qu'on a pu vivre pendant ces 2 ans et demi? Et je vous promettrai que je ne tromperai jamais les Français et les Françaises en 2017. Par contre, j'ai le droit de tromper tout ce que je veux. Regardez par exemple, avec l'argent des impôts, je me suis payé 800 millions putes de luxe. Oh shit! Oh my god! 让开！让开！ 这下严重了！ 走开！ Quelques mois plus tard, nouveau malheur avec Trump qui cette fois-ci a gagné les élections présidentielles aux USA. Un mec qui a fait des immeubles, qui a travaillé dans un restaurant, qui a traité les femmes d'objets sexuels à se servir, à... En fait, du jour au lendemain, il est passé de mec un peu trop chelou à gros sexe à homme d'État. Dites, j'ai une question. Est-ce que vous vous souveniez avant d'avoir vu la vidéo que les États-Unis étaient redevenus amis avec le Cuba? Est-ce que vous vous souveniez de l'ouverture du One World Trade Center? Non? Eh ben voilà. Vous venez de démontrer que les médias français
n'était juste attiré que par le fric, le bad booze, les beats et surtout Satan. Voilà le lobby média Satan. En vrai, c'est juste pour faire quoi? Pour vendre des écrans publicitaires. Et à la fin, on ne sait pas si le monde est vraiment dans la merde ou pas à cause de gros boulets, à cause de ta cravate qu'ils veulent profiter des autres.